Togo, il y a 32 ans, l'assassinat de Tavio Amorin. 23 au 29 juillet 1992 23 au 29 juillet 2024, hommage du MO5. J'ai semé des graines, et elles germeront immanquablement. Kwame Krumah. En ce jour anniversaire de ta cruelle disparition, le peuple togolais et particulièrement tes amis et compagnons de lutte du mouvement patriotique du 5 octobre, MO5, veulent exprimer la reconnaissance et te rendre un vibrant hommage. Nos pensées vont à ta famille. À ton fils unique géniaux. Patriote de toujours, nationaliste et panafricaniste jusqu'au fond de l'âme, tu resteras un modèle pour notre peuple et surtout pour sa jeunesse. Camarade Tavio. Tu as marqué le MO5 d'une empreinte ineffaçable. Pour nous qui portons devant l'histoire le terrible poids d'anéantir la dictature sur la terre de nos aïeux, nous renouvelons, devant ta mémoire, le serment de poursuivre efficacement le combat sans jactance. Tu nous as quittés au moment où nous avions eu le plus besoin de toi. Tu es parti mais ton souvenir reste vivace dans nos cœurs. Nous voulons saisir l'occasion de ce funeste 32e anniversaire pour te dire que la semence, ta semence va germer immanquablement. Il poussera pour le bien et le bonheur de tous les Togolais. Et c'est ensemble un jour que tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, civils et militaires, nous irons nous incliner pieusement et victorieusement sur ta sépulture. Camarade Octave Tobias Tavio Ayao Amorin, le MO5 te salue. Reçois cet acrostiche comme une libation. Tavio, ta vie reste un exemple de lutte. Avec toi le MO5 a vu le jour valeur sur de la jeunesse togolaise. Inoubliable et immortel est ton nom. Ondulatoires seront tes idées. Amoureux des causes nobles. Modèle pour la jeunesse panafricaine. Orfèvre de l'or de l'humanité. Rien ne pourra te faire oublier. Indéniable est ton aura sur nous. Nous vaincrons car notre cause est juste. Bruxelles. Le 23 juillet 2024. Eloi Koussawo, coordinateur général du MO5. Togo Forum. Aimez, abonnez-vous, commentez et partagez. Le Togo n'est pas la propriété de Fort Gnassingbé et de ses amis. Ce pays nous appartient à tous. À Togo Forum, nous appelons à une prise de conscience rapide, surtout en cette phase de la lutte où nous avons besoin de faire tomber la dictature et l'ordre colonial afin qu'enfin, le Togo prenne l'envol d'un véritable épanouissement mental et du décollage économique. Aujourd'hui, 23 juillet 2024, souvenons-nous de Tavio Amorin et de tous ceux qui ont été fauchés par la dictature des Gnassingbé, fortement soutenus par l'impérialisme français.